Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Dr. Fang pour un nouvel épisode de Starfield. On était donc parti pour descendre dans cette caverne. Le découvert. C'est une ressource mon gars. Ah. Là lui on prend. D'ailleurs de toute façon de manière générale on prend un peu tout mais bon c'est vrai que le fer j'ai pas trop besoin de sauter dessus. Ok, bon on n'a pas de life hein. Ok c'est une instance, ça téléporte, ça charge et tout. Oh oh. Panzen. Tu pètes ton benzen ou pas? Alors, qu'avons-nous là? Compétence obtenue. Oh, je vais le miner, c'est tout. Et c'est le niveau. Alors, paf, compétence. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Le jeu m'a dit t'as obtenu un truc. On sait pas, mais on l'a obtenu. Ça, on pourrait encore passer le niveau de dessus, mais du coup, c'est pas trop nécessaire. Moi, ce que je voudrais, c'est crocheter. Combat. Science. Méthodologie. Nécessaire à la fabrication d'objets et au projet de recherche, on a dit 10%. Kit de soins, urgence, machin. Portée astro, machin. Cabine ou bidule. Pilotage. La balistique. De la sécurité. Vous pouvez tenter de crocheter les serrures de niveau avancé et disposer de deux tentatives automatiques. Bah, j'ai pas trop le choix. C'est parti. Non, il faut crocheter 5 serrures pour l'avoir. Ok. Hop. Une petite sauvegarde rapide. Palladium. J'ai oublié de le scanner. Tas de cailloux. Benzène. Et c'est tout ça qui bouillonne. Je peux pas prendre le benzène? Chercher quoi? Les infos sur Percival à l'autorité alcool. Qui me dit lui? Il me dit des chelous, très chelous. Hein. Je peux plus en ramasser du benzène. C'est con. C'est complètement débile. L'antimoine? 3 étoiles l'antimoine, hein, ça a l'air d'être un truc très rare. Et là je sors de la grotte que je viens de. Ok, dans laquelle je viens d'entrer. Ok. Bon, bah c'était bien. C'était bien. C'était bien pour mettre la main sur des ressources très très rares. Du coup, on dit pas non. Hein. Je sais pas si on peut stepper par exemple. Voyage rapide? Ah oui, bah si on peut stepper, on peut stepper à la base. J'ai bien peur que j'ai tout perdu et que je puisse pas rentrer de nouveau dans la mine de beryllium. C'est un peu dommage. J'ai laissé beaucoup de choses dedans. Au moins à la fin c'était bien chargé, ce serait cool. C'est même pas trop le cas. Donc il y a encore ces bâtiments là. Excusez-moi. Je t'excuse.
Ah oui, bah c'est bien la mine. Formidable ça. On peut tout piquer. Oh là là, les gars, vous régalez. Vous régalez, les copains. Regarde, 140 balles les 0,25. Un petit citron et tout. On peut pas toucher à ton ordi. Mineur, ok. Journal du superviseur. Addenda. Toujours le deuxième jour d'extraction sur Vectera pour le compte d'Argos Extractor. Propriété de la Confédération Liberastra, identifiant Beta 7548 Alpha. Pour tout le monde, c'est juste une mission d'extraction de minerais ordinaires. Vectera regorge suffisamment de filons pour garder tout le monde occupé sans poser de questions. J'ai dit à Heller tout ce qu'il avait besoin de savoir, ce qui représente en gros tout ce que je sais aussi, qu'il s'agit d'une nouvelle commande spéciale de Barrett. Il nous a bien payé pour Casal, même si c'était un fiasco. Mais cette fois-ci, j'ai quand même des doutes. Cet endroit me file les jetons. Je crois qu'on va trouver quelque chose. Mais je sais pas ce que c'est ou pourquoi ça intéresse Barrett. Mais tant que les jolis crédits de Constellation continuent de tomber, on creuse nos trous et on la boucle. Et ça me convient très bien. Avec un peu de chance, entre la chose mystérieuse de Barrett et le minerai lui-même, on en aura fini avec ce caillou dans 5 jours, au moment où le transport est censé revenir. C'était prévu, les gens. Allez, on nettoie tout. N'est-ce pas... N'oubliez pas qu'on s'est payé un vaisseau grâce à tout ça. Hein. Regardez-moi les petits carnets de notes qu'il y a. Il y a un pognon là-dedans. Vous voyez même pas, vous. Enfin si, maintenant, du coup, vous êtes habitué. Maintenant, vous voyez. Vous voyez le pognon quand, vous, quand il est là. Ouais, ok. Ah, des gobelets usagés. Ah, merci. File-moi ta bouffe, file-moi tout, gros. Salut. Salut, ma gueule. Ça va bien? Je peux t'emporter ton extincteur, merci. Ah, du pain. Bonjour. Formidable. Bonjour. J'ai failli oublier la boîte de stockage. Qu'est-ce que c'est ça? Un croque au chocolat qui s'est caché derrière. Quel est le petit canaillou qui, se cache, qui cache sa bouffe derrière les cuves? Petit canaillou. Hein? Petit canaillou ça, hein? Projecteur portable, des credos. Ça valait le coup de faire demi-tour. Excusez-moi. Lubrifiant. Oh là là, mais on se régale! C'est beaucoup de petites merdouilles, mais on se régale, hein. Moi, je dis, premier vendeur que je vais croiser sur cette planète, je vais le saucer, hein. Rien de plus à ajouter ici. Ah oui, c'était tout médical. Ah ouais, file-moi tes shoots, tes scalpels, tes trucs, tes bignous. Donne-moi tout. Ça, c'est la cage pour descendre. Bon, on va descendre, hein, si on peut. Mais d'abord, on va nettoyer le niveau. Était une lune classique. On dirait que j'avais tort. Lynn vient de m'informer de ce qu'on fait vraiment ici. Apparemment, elle a eu un autre... Elle a utilisé quel mot déjà? Un contrat discret. Avec ce type, Barrett. Il dit qu'il y a quelque chose de spécial ici et il va nous payer rubis sur l'ongle pour qu'on le trouve, l'extrait et le livre sans poser de questions. J'ai évidemment honoré cet accord en abreuvant Lynn de mille et une questions. Et comme d'habitude, elle m'a envoyé maître. Mais franchement, qu'est-ce qu'il veut dire par spécial? On est sur une lune au beau milieu de nulle part. Soit ce type crée des bijoux à partir de diamants spatiaux rares, soit il y a une sorte d'arme alien mortelle enterrée ici. Si c'est des diamants, obligé j'en pique un pour l'offrir à Jennifer. Ou Carlos. On y a. Et si c'est une arme mortelle, c'est moi qui tire avec en premier. Voilà mes conditions. Débilus. Bon, c'est un débile. Quoi? Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer. Serrure de maître. Putain. Ouais, vous pouvez crocheter des serrures avancées. Il n'y en a pas des serrures avancées dans ton jeu. De débile. Par contre, je sais que la lumière, ça coûte un peu cher, mais quand même, les gars. Hein. Le minimum, non?
pose des questions. Ouais. Ah, y a pas la voix. Chapitre 3, entretien des combinaisons minières. Avec tous les dangers qui existent dans l'espace, on oublie facilement l'accumulation de dioxyde de carbone dans notre respirateur. C'est une grave erreur, même la petite quantité de CO2 qui s'accumule au cours de la journée peut vous être fatale si vous ne faites pas attention. Courir devient plus difficile, ajouter vos découpeuses prend une respiration de plus en plus, de plus que d'habitude, et si un tunnel s'effondre, vous allez devoir vous déplacer aussi vite et sur une aussi longue distance que possible. Investissez dans un bon casque, croyez-moi. Le reste du chapitre continue de rappeler l'importance d'un équipement de qualité. Bon, certes, nous entendons tous ces arguments, bien sûr. Hop, c'est dans ma poche. Ça, c'est pas utilisable. Ça, c'est dans ma poche. Hop. Cool. Je vois qu'il y a du matos qu'on peut chourer, hein. Ça me fait plaisir. Pas besoin de ça, mon gars. Bonjour. Y a pas un mineur qui achète, qui vend... Parce que j'ai tout votre matos à vous vendre. Eh bah oui, mais c'est ça aussi de le laisser traîner partout, hein, n'importe où. N'importe journal du superviseur. Deuxième jour d'extraction sur Vectera pour le compte d'Argos Extractor, propriété de la Confédération Liberastra, identifiant Beta 7548 Alpha. La mise en place sur le site s'est déroulée sans accroc, ou presque. Nouveau record pour nous. 18h, ascenseur compris. Les préfabriqués commencent à montrer leur âge, par contre. Va falloir préparer un budget pour de nouveaux équipements, encore une fois. L'équipage semble être en forme et de bonne humeur. Heller me prend la tête, comme d'habitude. Et il est toujours aussi indispensable. Quel est le dicton, déjà? Le problème est que je l'aime bien, et il le sait. Calvert reste le maillon faible. Parfois, on ne peut vraiment rien avec les gens bêtes. Mel a une fille sur Mars ou je ne sais pas quoi, et elle a besoin de ses crédits, alors je lui donne une dernière chance. Si elle la grille, on aura toujours notre dernière recrue poudreuse. Elle a l'air plutôt prometteuse. C'était moi. Voilà. Excusez-moi. Oui, bah je vous excuse. Excuserai, je prends la bobine, hein. Vous en avez pas besoin de toute façon. Vu votre sale bobine. Non, Imo, vous pouvez pas comprendre. Ah, on peut fermer ce truc? Merci. On peut ouvrir. Bon, on a fait le tour de toutes les pièges, je crois. Hello? Non. Non, on n'a pas du tout fait le tour de toutes les pièces. Bonjour. Oui, quoi? Non, t'inquiète, rien de bien important. Je vous soulage, sous combi. Ok. Ah, petit buisque cheddar, hein. Chausson, impeccable. Ah, un aligneur, parfait. Intéressant. Rien de caché derrière. Ça c'est pour moi. Ah, la ventouse, bien sûr, la ventouse. Hein. Qui vaut quand même 12 balles, hein, la ventouse. Hein. Ça a l'air de rien, mais une ventouse à chiottes. Hein. Ça vaut quand même quelque chose. Hein. Bah, le jour où tes chiottes sont bloquées, t'es quand même bien content d'en avoir une. Hein. Tac. Bon, on va laisser ouvert, sinon je vais me dire... Ah non, j'ai oublié d'ouvrir ça. Ouais. Bonjour. Je sais pas ce que j'ai ramassé comme combi, mais... Salut ma gueule. Ah bon? Arrête de regarder. Je suis sûr que c'est même pas ton casier. Ces chaussons étaient trop petits par rapport à tes pieds. Je sais que c'est pas ton casier. Une boîte. C'était même pas une boîte, c'est une demi-boîte. C'était le fond d'une boîte. Ok. Oh ouais, pas formidable, hein. Vous avez pas besoin de tout ça. Hein. Par contre, moi j'en ai grave besoin. Ah. Ah. Du gel douche, bien sûr. Allez. Excusez-moi. Oui, je vous excuse, je vous excuse. Pauvre tâche. Hop. Par contre, j'ai pas tout fait. Hein.
Ça, c'est pour donc quitter la colonie, ce qui nous intéresse pas. Boum, ça, c'est la cage d'ascenseur pour descendre. Oui, quoi ? Eh bien, nous avons tout vu, les douches. Voilà, c'est bon, hop, on peut descendre. Hop, 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 hop. On va pouvoir miner un petit peu. Et j'espère qu'on va pouvoir les miner ce que j'avais pas miné. Pas trop ce qui s'affichait, mais c'est ça s'affichait. C'est dans cette mine que vous avez extrait votre premier artefact. Je regrette presque de pas avoir assisté à ça. Moi aussi. Et oui, et je dis bien moi aussi, parce que moi j'y ai en partie assisté. Après, je t'ai foncé, quoi. Voilà. En vrai, c'est notre meilleure source de beryllium, cette mine. Hein. Nous, je sais plus pour trop par où on est allé, mais vas-y, on va faire toutes les galeries. Hein. On va se faire sauter du beryllium. Hein. Ok, toutes les galeries se rejoignent. On va donc revenir au début de celle-ci. Il y avait Claude qui découpait comme un Texan. Il était là, il s'entend genre... Allez, il n'y a plus qu'à aller chercher nos cristaux super précieux. Et on est bon. C'est toujours ouvert. Excellent. Ah, un minerai dans... Ah, il y a des minerais encore dans la caverne. Bon, on va tout prendre, hein. On n'a pas l'intention de remettre les pieds ici. Sauf si jamais j'ai des capacités de scanner plus développées ou que l'histoire nous débloque un autre point au milieu de nulle part, machin, tout ça. Mais sinon, techniquement, on remettra plus jamais les pieds ici. Néodyme. Oh, j'ai trouvé une petite planque. Petite planque aimantée là. Ça avait l'air un peu précieux comme matériau ça. Hop là. Et bah top. Les derniers morceaux de beryllium avant d'arriver sur le vrai filon.
Et on aura bien fait le plein. J'aurais plus jamais besoin de Beryllium de la game, je pense. Hein. Je dis ça, j'en sais rien. Ça se trouve qu'il y a des projets, tu sais, le premier projet, il va t'en manger 1, puis 5, puis 10, puis 15, 20 direct. Il va faire... Ah, j'ai plus de teuf, j'ai plus rien. Masse, hein. Je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai. Ok, limite. Je pense que le point, c'est le niveau de rareté du métal. Faut savoir laisser des choses derrière soi. Ah, le Puffy, sinon c'est toi qui vas le porter. Hein. Pas minable. Ah si, c'est minable. Vivi, t'es où? T'es là. Je me demande. Oui, calme-toi. Juste échangeons du stuff. N'hésitez pas en bugant, de préférence. Juste pour charger ton inventaire. Le mien. Hop là. Ressources. En tout, 46 beryllium. Hein. On n'est pas mal du tout. Une autre fois, peut-être. Un peu bugué, hein. C'est bon, je l'ai eu. Ah, par contre, ça pète, hein. Ah, faut le miner, hein. Ça se scanne, ça, ou... On peut prendre la ressource, juste. Non, c'est un fichier ressource. Alors j'en ai pris un, je suppose que ça a tout validé. C'est un bon petit plein. Hein. Je sais pas combien ça vaut. Ceci dit, je sais pas combien ça vaut. Mais on peut aller voir combien ça vaut. Inventaire. Du coup, ressources, puisque j'en ai qu'un seul type. 264$ les 0,30, les 300 grammes. C'est pas mal. Je sais pas si ça valait le gros détour, mais je me dis surtout que bon, ça va être pour fabriquer des choses très très super spéciales. Un métal très très rare, donc je me dis c'est très ok. Surtout que je sais même pas combien j'ai d'unités de ce truc là. Là il y en a encore 3. Je sais pas avec combien je vais sortir d'unités de ce matériau, mais je me dis une centaine à 300 billets. Hein. On est bien. Hein. Très bien, hein, 30 000 balles, hein, on change de taille de vaisseau si on veut. Ah, ah, on le touche pas. Box des cailloux sont pas terribles. Hein. Un minerai aussi rare avec une box éclatée, le jeu tu devrais pas avoir le droit. Tu devrais genre même pas avoir le droit. Surtout qu'en plus nous on est des joueurs, voilà, on est des joueurs de Bug Desda, donc nous on ramasse tout quoi.
Tu sais que si tu nous autorises à revenir sur le site, on va venir te le dépouiller ton site. Donc là il y a un matériau ultra rare, hein, donc 3 étoiles, hein, je peux pas le prendre. Voilà. En masse, hein. Je peux pas le ramasser. Dommage. Je peux le scanner ? Non, je peux pas. Ok. Ça, c'est eu. On en a eu quand même pas mal là. Hein. On va faire un petit tour de scannage. Il n'y a que le buggé que j'arrive pas à voir là. Sinon, tous les autres, je les ai eus. Oh, lui, je l'ai pas eu. Il y en a encore. Voilà. Là, il est eu. Et il y a juste lui là donc que j'ai pas eu et que je peux pas avoir parce que il est bugged. Seulement je pouvais trouver le petit point de bugage mais bon je l'aurai pas. Bon, bah, tant pis. On s'est quand même bien gavé. Ah oui c'est des résidus de cristaux éclatés. Ok on est bon. On a bien farmé. On en a farmé combien juste pour savoir avec sans celui donc qui est buggé. On en a 23. 23. C'est pas mal. 23. 23 ça nous promet des choses. Hein. Pas en termes d'argent mais en termes de craft parce que en vrai. Est-ce que ça se vend vraiment tout ça? C'est une bonne question. Hein. Ramasse pas. Allez. On remonte. Et on va s'intéresser à des vraies choses. Des vraies choses, parce que cette planète, je crois que du coup, elle est maîtrisée à genre 100% une blagounette comme ça, quoi. Excusez-moi. Ok. Il n'y a rien dans le coin, hein. Supputant. Hein. J'ai vu la seule grotte qui était visible. Je sais même pas s'il y a des gens. On s'en analyse 5 sur 5, il n'y a pas l'air d'y avoir de vie sur cette planète. Je propose de remonter à bord. Hop, toi là. Je suis pas allé sur Mars depuis un. Voyons ce que vous avez. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc Sarah. Non, pas tout. Il me faut uniquement tes ressources. Merci. Ça devrait faire l'affaire. Merci. On posera tous les PJ en deux, on fera une PNJ, on fera une petite tournée de... Ah, je pouvais aller directement au cockpit là, vu que mon vaisseau est très grand. C'est rigolo ça. On va où maintenant? Ça c'est rigolo.
Un casier ? Vide, ok. Ça fait atelier, mais j'ai pas d'atelier à bord. Ce qui va m'intéresser là, c'est. Ça va être le labo. Parce qu'on a quand même pas mal de choses pour le labo, je pense. Le labo. Ah, je suis en train de tomber. Le labo, le labo, le labo. C'était où? C'était là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on peut s'ajouter des trucs. On a de l'argon. Confirme. Ok, bon, bah on n'a pas tout, mais bon, on a déjà quelque chose. Boissons et aliments. Aliments du vieux monde. On a de la volaille. Ok. Ok, on n'a rien d'autre. Bon, les trucs d'avant-poste. On peut améliorer la fabrication industrielle. Ça veut dire potentiellement qu'on peut le terminer? Non. Ah non, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un à porter, dommage. Et décoration, une autre structure. Ok. Équipement, il n'y a rien à voir. Et il n'y a rien à voir. Il faut aller débloquer des compétences pour aller chercher tout ça. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est de transférer à la soute. Ta-ta-ta-ta. Ah oui, il y a encore des casques et des machins. J'ai des combis en rab. 84, ah oui, j'ai une bonne armure là. Stock. Flingue. J'ai pas de nouveau flingue. J'ai que mes flingues. Parfait. Sac. J'ai un nouveau sac. C'est un bon sac en vrai. En vrai, c'est un bon sac. Casque. Oula. Ouais, c'est le casque de l'avant-garde. Pas ouf. Tenue. Ah, une sous-combi. Non, mais vire-moi toutes les sous-combis. Regarde juste l'étanche sur moi. Au cas où. Soins, les snacks, ça descend. Ça a une valeur médicale, j'y touche pas. Quoique, normalement, si j'en ai assez en réserve, j'en ai au moins un en réserve ou deux, je crois. Ça dégage. Les notes, ça forcément, je les garde sur moi. Les ressources. Je crois que les notes, je pourrais les déposer aussi dans le vaisseau, en vrai. Je pourrais complètement même les déposer dans le vaisseau. Et en fait, faire le tri plus tard. La soute. Donc ça, c'est moi, avec mes divers à la con. 18 aligneurs, hein. J'aimerais bien m'en servir à un moment donné. Hein. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis les aligneurs à côté, genre comme si c'était des crédits, par exemple. Parce que là, ce qui serait bien, c'est juste de dire tout transférer. Terminé. Hein? Ah oui, plaque d'Adrian. C'est pas vendable. Ah, on peut pas le... Oui. Tout ça, on peut pas. C'est du lore. C'est du lore, on n'a pas le droit. Bah, on est bon. Voilà. On pèse pas très lourd, on est au Caire. Bon, le vaisseau, il est pas ouf éclairé. Hein. Décollage si tu veux, ouais. Énorme fiac du truc. Incroyable. On a pris un peu de masse. Alors deux écoles là. Là en soit on peut se faire crit. Ce que moi j'aimerais bien me faire parce qu'on est dans le coin. Voilà. Donc je me dis. Je me dis, crit c'est là. J'ai envie de dire let's go quoi. Laboratoire de recherche de crit. Mettre le cap.
là, ce qui serait formidable, donc, c'est de scanner cette planète. Donc ça s'écrit, c'est le labo de recherche, tout ça, tout ça. Je crois que nous, on va pouvoir y aller que comme ça. Hein. Crit, on voit que le labo, alors qu'il y a des trucs dessus. Allons-y. X me dérange, je devrais le mettre sur E. Le problème, c'est qu'il faudrait reconfigurer toutes les touches pour un Européen, enfin pour un Azertiman, et pas pour un Qwertiman. Il y a vraiment... Là, en fait, ce qui est décevant sur le jeu, parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, ce qui est décevant, c'est que la synchro labiale des textes francophones, ou même la traduction des textes, on sent le Google Trad, quoi. Enfin, pas le Google Trad non plus, parce que c'est pas ça, là, ce point-là. Mais on sent que la traduction en français, c'est parce qu'il fallait en faire une qu'il y en a une. On devrait pouvoir récolter des tas de matières voilà. Organiques ici. Voilà. Scanne-moi ce truc. Il y a de l'argent. J'ai récupéré ça. Repère naturel. Ok. Allez, du plomb. On prend tout, hein. On est parti, session de minage, session de farming, bref, hein, session découverte. J'aimerais bien boucler cette planète, hein, je vais donc la boucler. Du fer, putain, du fer, on en a plein. Structure là-bas. On peut voyage rapide de là où je suis, comme un gros sac. Sérieux? Genre là, voyage rapide. Non. Non, quand même. Je lui ai dit quand même, calme-toi. Non, on peut pas. Voilà, récolter. Et les hitbox sont chelous. Plomb, argent, j'en ai pas mal, c'est pas forcément ce que je vais rechercher. En ressources, je suis à 5 sur 8, donc il y en a 3 que je connais pas. La faune et la flore sont toujours pas officiellement scannées, moi ça me rend dingue. C'est-à-dire que ça, officiellement, je l'ai toujours pas scanné ce truc. Genre je sais que c'est comestible, mais c'est tout quoi. J'ai pas possibilité de te... c'est bizarre. Bon bah on va continuer, on va progresser. Pourquoi social? Vous pouvez faire en sorte que ce truc indique le resto le plus proche. Mais ça va se finir comme ça. J'aurais dû fuir ce combat. C'était beaucoup trop facile. Ah non, j'ai pas eu le temps de le scanner. C'est de l'eau. C'est un gisement d'eau. Mais je suppose qu'il me faudra genre un robot pour ça. Pour ce genre de gisement. Mais j'ai trouvé de l'eau.
encore de l'argon. Non, je le prends. Vaut mieux avoir trop de ressources que pas assez. Je peux pas te scanner une fois décédé. Non, c'est bien dommage. C'est récolté, argent, plomb. Ok, je vois des trucs. I can see des trucs. De l'eau. Salut bestiole. Ah si, je peux récolter de l'eau comme ça. Là, je suis un abruti. C'est juste que tu peux pas le faire quand tu scannes. Ce qui est très con. Ah oui, parce que la touche est conflictuelle. Ah là là. Ah, les touches conflictuelles. C'est quand même une histoire. Qu'est-ce qu'on a? On a l'air d'avoir d'autres bestioles. On a... Il y a un site là par là. L'air de fournir des biofibres. Récupérer une racine. C'est mort. Oula. Bizarre, je peux vider les petites bestioles, mais les gros je peux pas. Tu veux pas me scanner cette bestiole? Je sais pas pourquoi. Il y a des trucs, c'est pas clair. Hein. Vous êtes pas toujours très clair, les gars. Ça c'est du fer, on s'en fout. Ok. Je crois que je vois une autre bestiole comme ça au loin. Là. Le crabe de crit là. Ça c'est du fer, je suis pute. C'est de l'argent. Ah, un herbivore de crit. Ok. Et je crois que j'ai vu un autre bossu là-bas, là. Ouais, là. Des trucs un peu partout. I can see dead people. Scanner à 100%. Tracker de crit. Pouvoir de crit. Ils ont fumé le troupeau. Chlore! Excellent ça! Il y a du feu comme ça, Zinedine. C'est un quoi ça? De l'alcane? Ok, c'est un peu chaud comme truc. L'idée c'est que c'est un produit un peu chaud. Ça c'est du plomb. Ok.
c'est que des matériaux qu'on connaît, on s'en fout un peu. Tubercule poudreux. Intéressant. De l'argon ici. Je vais me cueillir un petit peu d'argon là. Vous avez quelque chose sur votre scanner? C'est cassé, je peux pas. C'est turbicule. C'est compliqué à. La hitbox du machin, elle est vraiment pas ouf. Il aurait mieux valu une hitbox un peu, j'ai envie de dire, généreuse. On s'en fout, c'est pour ramasser des ressources plutôt qu'une hitbox éclatée au plancher. Hein. Très clairement. Voilà. Là, faut que je sois comme ça pour pouvoir récupérer mon tubercule. Ce qui est quand même pas dingue. De l'argent. Ok. Tubercule poudreux, scan effectué à 63%. J'ai toujours pas fait ce truc là. Sérieusement? 75. Ok. Ok, des éoliennes quoi. Quelque chose d'intéressant sur ce champ d'éoliennes. Repère naturel. Du fer. Ok, je capte ton signal. Hein. Ça va aller, c'est bon, je t'ai capté. Hein. Ah, c'est bien éclairé comme base. Ça m'a l'air très vivace. Dépôt de fret abandonné. Intéressant. Abandonné pour qui, pourquoi, quoi, comment, qui? Répondez où je tire. Toujours pas de niveau. Putain. Le jeu est radin sur l'XP. Hein. Bon, faut dire, on a connu des Elder Scrolls et des Fallout qui étaient très généreux sur l'XP. Oula. Bon, cet ascenseur nous servira. Si on fait ça, il y aura peut-être un autre moyen de monter. Moi, je trouvais 4 enduits dedans. Ah, on peut le récupérer. Je pense qu'on a annoncé la situation. Prenez tout ce qui peut être utile et laissez le reste. T'inquiète pas, je prends tout ce qui peut être utile, c'est-à-dire absolument tout. Ah, la zone d'atterrissage. Ok, ok. Oula, oula. Ouf. Il y a des mines. Est-ce que mon scanner voit les mines? C'était quoi? Bon, je vois que dalle. Je peux voir grâce à leur barre, mais je trouve pas ça très RP, leur barre. Allez, donne-moi tout ce que t'as. Lourde, lourde le stuff. Tu veux rien. Calme-toi. On est à 78% d'analyse. La faune 1 sur 3, on a une espèce sur 3. La flore 0 sur 3, hein. Vraiment. Putain, la flore... On a croisé une plante, même elle veut pas scanner. Hein. De dingue. Le mec raconte sa vie pendant qu'il tabasse des pirates. Bon, on croisera d'autres trucs hein, sur le chemin, c'est pas trop le problème. Ouais. Je vais avoir de la lumière, voilà, merci. Parce qu'en fait, YouTube, si jamais tu regardes, tu dois te péter les yeux. C'est
très USA fucker, hein, votre truc. Hein. Moi, je vais quand même passer par la porte. Hein. J'ai un mec poli, je vais passer par la porte. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Le flingue, ça me paraît un bon deal. Je sais pas en termes de surpoids, je suis comment, mais. Non, pour l'instant, si je me déplace, tout va bien. Ok. Let's go, ouvrir la te porte. Bonsoir. À taper, j'aurais dû le mettre sur. Vous savez quoi? On va faire ça tout de suite. Excusez-moi, ça casse un peu l'action, je sais, mais. Raccourci pour pouvoir taper corps à corps. Voilà, à la place de ça, je voudrais ça. Voilà, merci. Non? Oui, quitter quand même. Autour. Voilà. Oh ouais. Oh ouais, du loot. Oh ouais. Ah oui, le retour des gobelets, des stylos. Ah oui. Ah, ça faisait si longtemps. Mais genre... 10 minutes que j'en avais pas looté au moins. Je pensais que mon jeu avait changé, carrément, quoi. Oh là! Ah oui, on est en bâtiment. Alors attendez. On est en bâtiment. Ah lâche mon gars. Solité casque spatial de navigateur, excellent. Viens Fifi, occupe-le. Pendant que... je fais des trucs. Extrêmement important. On va ramasser tout le merdier. Du... Tiens, un atelier. Un atelier intéressant ça. J'ai entendu faire boum. C'est pas à cause de moi. Fait boum là-haut. Censé avoir un jetpack, je suis censé pouvoir sauter. Ah, c'est dommage pour le coup que les armes de close n'aient pas de mode d'attaque, genre clic gauche et genre une attaque rapide ou une attaque lourde sur le raccourci corps à corps. Donc j'ai pas un maintenir cliqué. Ah, tu vois, je l'ai pas, tu vois, je l'ai pas. Ah quoi que c'est un coup latéral. Non, ça ne change rien si. Ah si, c'est toujours un coup latéral. Ok, le coup est légèrement différent. Maintenant, est-ce qu'il y a un impact dessus? Je suis pas sûr. Hop, file-moi un câble zéro. Excellent ça. On va au moins pouvoir... Je sais pas. Mais on va pouvoir. Dommage, j'aurais bien plongé tout le monde dans le noir. Ça aurait été rigolo. Ça, un petit défaut, un petit défaut. Ça manque de possibilités de... Ah, du coup, c'est un extincteur éclaté, ça sert plus à rien, ok. Où des composants? Où des composants? Où les bonbons composants? Ouh, ça c'est bon ça. Oh, c'est sûr que là-dedans il y a au moins des trucs utiles. Ouais, 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 ça c'est sûr. N'oublions pas que le propriétaire de cette usine n'apprécie sûrement pas les intrus. Ouais, le propriétaire de l'usine, maintenant c'est moi. Dos au mur, le Kraken. Ah oui, c'est un pistolet. Visiblement de merde. Mais on peut le pimp. On peut le pimp. On va pas faire ça, hein. Bien sûr, hein, ça n'intéresse personne. Nous, ce qui pourrait nous intéresser, c'est toi. Toi, aucun mode. Ça, c'est quoi? Viseur laser. J'obtiens une meilleure précision. Ou viseur laser de reconnaissance.
encore une meilleure précision. Et on peut pas lui faire son viseur, évidemment. Parce que ça nécessite des trucs genre extrêmement rares. Là, on peut faire la petite batterie. La masse, c'est la masse et la taille du chargeur qui se réduit. Ouais, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Viseur réflexe, on peut que faire ça. Hein. Le reste, on peut pas. Le frein de bouche, on ne peut rien faire. C'est dommage. Le garde-main. Amplificateur. On peut faire un truc, là. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Confirme. Wow. Une arme de la mort. Pas mal. Si on aurait pu regarder mon petit piou-piou. Tiens, d'ailleurs, même le fracassant, ça aurait été rigolo. Est-ce que sur le fracassant... Poignée cross, chargeur et batterie. Apparence. Il y a des apparences? Non, il n'y a qu'un seul. Mode interne. Grande puissance. C'est dommage. C'est dommage, il nous manque du tantal pour commencer à s'amuser. Chargeur et batterie. Enfin, tu peux pas faire grand chose là-dessus, si. Ah, on peut changer le type de munition. Ok. Nid de frelon. 122 dégâts. Il faut du très. Tétrafluorure. Oh ouais hein. Ouais ouais hein. Ouais ouais ouais. Ouais 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 ouais. Cross tactique on peut faire. Qu'est-ce que ça nous change? L'arme est plus légère. Admettons. Moi ça me fait plaisir. Compensateur de recul. Ça augmente sa masse. Ah, ça augmente sa précision. Allez, compensateur. Oh, on a pu le custom un peu. Hein. Canon, de toute façon, je crois qu'on peut rien faire. Si on peut faire un cours, ça réduit sa précision, ça allège son poids, ça n'a pas tellement d'utilité en vrai. Les lasers, on a dit qu'on pouvait rien faire. La lunette, on peut rien faire. Le frein de bouche, c'est déjà fait. Ok, on a déjà tout fait dessus. Le Maelstrom, j'en ai deux, lunettes, semi-automatique, chargeur tactique, frein de bouche. Oula, lui, il a l'air énervé. Mais lui, il a 10.7, 10.7. J'en ai aucun à 11, là. À vraiment 11. Normalement, j'en ai un à vraiment 11 de dégâts. Non? Ah, ok. Il y a le mien, je crois que c'est celui-là. Et il y a celui-là qui est déjà beaucoup plus énervé. Qui est le même... Mais qui a reçu déjà beaucoup de modifs. Canon long, ça change quoi? Plus de précision, plus de tout. Ah ouais, ouais, ouais. Et ça va me bouffer un nickel. Et l'arme devient très lourde. Je suis d'accord. Par contre, ça veut dire qu'il faut que j'aille dans mon inventaire. Hop. Et on change d'arme. Le Maelstrom. Il est où le Maelstrom modifié? Fait quoi dos au mur? Les dégâts augmentent à mesure que les points de vie diminuent. C'est celui-là. Le Doomist. B, et tu prendras la place de l'autre, donc en 1. J'ai encore moins de balles. J'ai moins de balles, mais j'ai plus de puissance. J'ai toujours pas d'XP par contre, hein. Le jeu veut pas... Ah, arrête! Oh là là. Oh, le jeu, il est pas au point. Hein. Alors c'est peut-être aussi parce que j'enregistre. Hein. La 2090 en plus que j'ai, donc normalement ça devrait rouler, mais... Manuel, Nova Galactique 08 réduit de façon permanente le carburant consommé par les astroportations de 1%. On prend. Une réduction est une réduction. Même si c'était de 0,5, j'aurais été content. Bon, j'aurais trouvé ça un peu lèche quand même, mais... Mais on est content. Alors, c'est ouvert. Je me demande à quelle corporation appartient ce site.
loot des trucs, je sais même pas ce que je loot, mais j'ai vu des munitions. Et ça, c'est bien. On va sauvegarder parce que j'ai pas envie de me refaire la phase de dev. On n'a pas ouvert ça. Ouvre-moi ça. Sésame, ouvre-toi. Mon arme la plus puissante, c'est du coup, c'est pas toi. Ouais. On va prendre le petit pistolet. Je m'en occupe. Vraiment, on va prendre la hache. On va économiser. Ok, le coup latéral, c'est le coup puissant. A du G. Oh, l'argent caché dans la banette. Oh, des gobelets. Usagers, des tasses, du café, oh là 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 là. Pourquoi on peut pas piquer les machines à café? C'est pas que je comprends pas. On peut piquer des magnétoscopes mais pas des machines à café. En vrai, tout le monde veut une machine à café. Tu vends ça bien plus facilement que des télescopes quoi. Si tu vends ça 10 balles. J'en peux plus de tout ça. Si vous voulez piller, faites vite. Moi j'ai fait ça vite. Hein. Regarde. Hop, 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 hop. Connais un mec qui fouille plus vite que ça. Et non, je suis pas Murloc. Ouais, j'ai peut-être un grand-parent Murloc. Je ne sais pas. Vu ma gueule. Vu la gueule de mon gars. Il y a quand même moyen qu'il ait un ancêtre Murloc. Hein. On sait jamais. Oula, ça blatte, hein. Pour l'instant, c'est le couloir de la mort. Hein. Pour eux, là, c'est terrible. Hein. J'aime bien le bruit de l'arme. Hein. Je top dégâts, je sais pas, mais le bruit de l'arme est cool, la stabilité est cool. Bon flingue. Bon, la puissance, c'est pas ça, mais... pas tout avoir à ce stade. Ah, un gobelet écrasé. Oh, ma vie. J'ai retrouvé ma raison d'être. Hein? Un solstice? C'est la flingue de quelqu'un, ça. J'ai pas encore fouillé, visiblement. Je savais que je te trouverais. C'est pour les nuls. Objet requis, provocation modifiée, Maelstrom. On a l'air de commencer à tomber sur des bons gros flingues. Hein. Par contre, je sais pas si on peut récupérer les modes des autres flingues. Les chaussons. C'est vraiment nécessaire de transporter tout ça partout. Oui. Il y a même un gobelet écrasé que je peux même pas récupérer. Casse-tête en bois. Oh ouais, je suis plus là. Non. Ok, parfait. Deux lits, c'est parfait. Un pistolet, une casquette écouteur. Néon et la culture des gangs, on connaît déjà. Coffre fort expert. Non mais franchement, les gars, il n'y a pas un coffre avancé dans le jeu.
On va faire une sauvegarde rapide parce que j'aimerais savoir si on peut se faire attaquer pendant qu'on fait un repos dans une base occupée. C'est très important quand même. C'est hyper important. Est-ce qu'on se fait attaquer? Question à 8000 balles. Allez, debout. On a des visiblement ça va. Visiblement ça va. Ok. Impeccable. Pas dans Fallout. Les toilettes sont moins occupées et moins possédées que tout le reste. Ouais, bon bah y'a pas... Y'a pas ouf hein. Bon, y'a toujours un peu de loot hein. Oh non 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 non. Ça s'ouvre pas ça, ça s'ouvre pas. Dommage. Bon, c'est visité. Les armoires ont été ouvertes. Ah bah voilà, toi je t'ai pas fouillé. Ça, ça a explosé. C'est pas moi qui l'ai fait sauter. Toi, normalement, je t'ai dépouillé. Ok, ok, ok. Ah, il fait jour. Il reste un pirate, là-haut. Pour aller le chercher. On peut aussi looter. Hein. Voilà. C'est vrai que la gravité est pas ouf sur cette planète. Allez, on va le chercher. Ça, on n'en parle plus. Ah non, il en reste pas qu'un. Oh, allez quoi, c'est pas drôle. Il revient pas. Putain, le gars, il a l'air d'être juste à côté, à tous les coups, ils sont juste en dessous. D'armes. Oh. Un Grendel amélioré, ok. Et une caisse scientifique avec un adepte de l'espace, un Maelstrom. Bon, qui fait 4 dégâts quoi. Trouver une arme légendaire qui fait, qui pique le bout des doigts. Non, c'est terrible. C'est, je sais. Un truc qui fait bobo aux doigts quoi. C'est quand même pas dingue. Normalement, il y a eu des morts ici. Lol. J'ai pas buté quelqu'un par là, normalement. Vu qu'on est au top, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut identifier là? Il y a un truc là-bas. Et visiblement, j'ai pas le droit de l'identifier. Si je m'en rapproche par ici, là. Pas le droit, mais on peut mettre carte de la surface. Je peux mettre un truc genre par là. Je tournais par ici. Est-ce que je peux mettre genre un marqueur? Parfait, excellent. J'ai un marqueur par là-bas.
Bon, les autres sont dans leur petit bâtiment, visiblement. Ah oui, j'ai pas fait le tour complet. Le lootage complet. Ah oui. J'suis un peu surchargé, forcément. Viens voir, toi. Sidon, je suis ravie de vous décharger. Elle a des façons de dire les choses. Attention. C'est beauf sur 20, ouais. Les ressources. Ouais, on va lui lourder de la ressource, hein. C'est bien ça. Stocker toutes les ressources. Boum. Et divers. On va pas stocker tout le divers, parce qu'il y a les aligneurs dedans. Donc, on va y aller à la main, le ciel. Moi, je suis à combien? Je suis à 170. Bah, je suis bientôt. Je suis bientôt bien, hein. Bientôt allégé. Voilà. Là, on peut à nouveau se déplacer normalement. Sans risque de mourir. On peut pas en ranger du merdier, hein, dans les gens. Hein. Ce qui me rend fou, c'est que vous... Ah, mince, je vais te... Merde, flûte, ça perd l'hypopète. Je peux te donner une combinaison d'assaut, échanger. Voilà. Parce que ça pèse très lourd, les combis, les casques aussi. C'est quoi ça? C'est moins bien. Hop. Sarah, dans tes divers, je voudrais les aligneurs, s'il te plaît. Merci. Mon inventaire. Les sacs. J'ai un autre sac. Sac de survie pirate. Plus léger, plus d'énergie, moins de blindage. J'ai un gros blindage avec l'autre. Hein. Gros physique, là. Voilà. Prends ça. Ça m'allégera toujours. Et en flingue. Vas-y, hein. prends des flingues. Hein. Ah, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place dans la fille. Au revoir. Faut dire, on a bien chargé. Oula. Oula. Ah, excusez-nous, hein. Moi, j'ai récupéré toute ma vie. Comment j'ai fait mon coup? Je sais pas, mais je l'ai fait. Ouais, ça vu. Ça, c'est une porte par laquelle on va passer, je pense. Et il y a cette zone-là qu'on n'a pas encore vue. Donc. Et la porte, du coup, de l'autre côté. Qu'on fasse un petit tour. 3. Je me suis mis en mode économie de cartouches depuis le début, alors que je viens de voir que j'en ai 840. Hein. Mais tout va bien. C'est important d'économiser les balles. Hein. J'ai un millier de cartouches. Seulement un millier de cartouches, c'est chaud, quoi. Prenez, c'est pas évident, quoi. Un entonnoir, ça vaut une blinde. C'est parti, on ne leur laisse rien, évidemment. On nettoie tout. Ah, c'est ouvert, ok, comme truc. Tic-tac-tac-tac-tac-tac. Allez.
Voilà, que des trucs de labo, ça vaut cher tout ça, ça vaut une blinde. On prend tout, on adore, ça pèse rien, ça vaut cher, c'est formidable. C'est tout ce qu'on demande. On demande rien d'autre, hein. On n'a pas besoin d'industrie lourde, rien, juste des labos. Ou alors vraiment, si vous y tenez, hein, des microscopes. On n'est pas très regardant. Et ouais, des trucs qui pèsent moins de 1 et qui valent quelques dizaines de crédits. C'est toujours quelques dizaines de crédits qui font plaisir. Voilà. Regardez ça, des petites fioles qui traînent là, qui valent une fortune. Ça tousse. Ça tousse, tonton, ça tousse. Ça tousse, ça pousse, ça va pas bien. Il y a un glitch, je le vois, hein, ça glitchouille dans mon écran là. Le jeu il va pas bien, il tremblote un peu. J'ai fait exploser un truc qu'il a pas du tout aimé, visiblement. C'est ça. Un autre microscope, d'accord. J'ai ramassé un truc. J'ai ramassé un jouet. Un adepte de l'espace modifié. Maelstrom. Maelstrom. Ok, ok, ok. J'ai vraiment, j'en ai foutu partout avec mes explosions. Ouais, bah ouais. Je pourrais pas récupérer le truc qu'il y a derrière, mais bon, parce que c'est bien important. Est-ce qu'on est un bignou près? Moi, je dirais bien oui, mais bon, on sait concrètement que non. On n'est pas un bignou près, hein. Hop. Alors. Tac, 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 tac. Merdier. Ah, y'en a un qui a une vilaine tour. Ah oui, y'a un truc qui va linguer là-dessous. On le récupérera jamais. Oula! Même dans la base, la station elle est hyper. Enfin, la gravité elle est. Je l'ai récupéré. La gravité elle est hyper légère. C'est rigolo ça. Alors, ça. On l'a fait. On n'est pas allé par là. Et on n'est pas encore allé non plus de l'autre côté. En haut, il n'y avait pas de porte. En haut, il n'y avait pas de porte. Bon, je pense qu'il y a un gars de l'autre côté, là, à gauche. On va donc aller par là. C'est super. On peut voir la map du lieu ou pas? Me montrer. Non. On n'a pas plus proche. Non, non, mais c'est pas ça. Casse-toi, en fait. Ok, on peut sortir par là, très probablement. Oh, de quoi cuisiner, excellent. On va voir si on peut se faire un petit truc, hein. On a des objectifs de production alimentaire. Hein? Non. Tire-moi de là. Merci, ouais. Oh, c'est chaud, hein. C'est chaud à obtenir. Hein. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Alors. Et le pack de binous là, on peut pas le piquer. Ah, vraiment. Quelle indignité. Emballage de croque vide. Je pensais que c'était un magazine, mais bon non, c'est juste un croque nul. Ok. Ah, un filet des gamelles. Du qui pèse lourd et qui vaut rien. Allez, ça part. Ça va, on n'est pas encore trop lourd. Hein. C'est vrai que j'ai pris la spécialité gros tard. Hein. De l'alien séché, on peut pas. Par contre, du pain viande. On peut faire du pain viande. Fabrique du pain viande. Ça va forcément nous être utile. Un sandwich alien. Ok. On est à 4 sur 5 recettes. Il manque plus qu'en faire une et on est bon. Et on sera bon. Voilà. On sera pas mal. Et là donc on ressort.
Ce qui, pour l'instant, donc, ne nous intéresse pas, évidemment. Puisque nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir le gars de l'autre côté, finir le bâtiment. Avec probablement le pirate de l'autre côté. Voilà. J'ai même pas vu de boss. Ah, le gars, il est là. Oh, il est pas mort. Comment il a récupéré de la vie, lui? Plus respirer. Au chargement manuel coché. Un fusil à pompe épique. On discute. Le mec a des arguments. Oh! Regardez le loot qui protège! Oh! Oh la fortune! Le mec protégeait de la bureautique. Oh, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Putain, je me dis, c'est comme Fallout, il va falloir que je fasse dans les. Chaque épisode, il va falloir que je mette dans les mots-clés les loot légendaires que je ramasse, les conneries, les machins. Ah, un coffre-fort, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Novice, on a le droit! Super, impeccable, enfin! Non, on voudrait le tourner. Comment ça tourne? Ouais, voilà, comme ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 en coche, 5 en coche. Ça sera pas celui-là, déjà. 5 en coche, je pense on a celui-ci. Voilà. Et juste après, celui-là. Ok. Ok, ça me paraît bien. Ah là là, ça me paraît être un drame. C'est comme ça. Parfait. Cartouche en étui, des crédits, 512 crédits, ça fait plaisir. Liquide de refroidissement et un pistolet dégueulasse, on prend tout. Allez, ça part. Hein? Est-ce que quoi? Ah, c'est le Deep Corsa qui me bug à la face. Un fusil modifié, ok, bon, on prend. Hein. Si vous portez trop de choses, vous devriez commencer à faire des priorités. Exactement. Le loot d'abord. Fais des priorités, hein. Tu m'as dit de faire des priorités, j'ai fait des priorités, boude pas. Oh là là. Ça souffle ça ou. Non. Avec lequel on peut interagir. Très bien. Bah, on a tout fait. Hein. On a tout fait. Oui, on a tout fait. C'est par cette porte-là. Ça, c'est le fameux ascenseur qui s'est cassé la gueule. Ok. On va donc ressortir par là. Et il y a cette passerelle-là qu'on n'a pas vue. Ça, c'est tout ce que j'ai défoncé. Ils avaient un petit robot quand même. Hein. Ah, une structure adaptative. On prend. Prenons le loot. Tant que le loot n'y est pas. Non, tant que le loot n'y est pas, bien sûr. Parce que le loot y est. Bah, on est pas mal. Hein? Ah oui, je suis trop lourd, évidemment, donc ça pose des problèmes. Est-ce qu'on peut faire M? Labo de recherche inexploré. Moi, je suis là. Mon vaisseau, il est là. Ça, c'est la zone d'atterrissage. Vérifiez l'inventaire de votre vaisseau. Labo de recherche de Crick. Zone d'atterrissage. Là où je suis, on peut pas... Montrez-moi, je suis où? Dépôt de fret. Là, si je vais au vaisseau, par contre... Pourquoi je peux pas? Vous portez trop de choses. Ah, du coup, je peux pas voyager rapidement. Ok. Ok, ok, ok. Non, mais c'est bon. Laisse-moi tranquille. Avec ton dézoom des 12 enfers, là. Ce qui m'intéresse, donc, c'est monter, là. On va monter. Monter. Hop. Ah, j'ai une toux. Ah, je suis malade. Ah, je suis malade. Trop rigolo drôle.
C'est moi qui tousse en fait. C'est moi qui suis malade, du coup c'est rigolo. Un gros gisement de plomb. Tubercule. Est-ce que tu peux me scanner cette merde une bonne fois pour toutes un jour? Non. Je me demande où tout cela va nous mener. Oui bah casse-toi. Va chier. Voilà. J'ai eu le tubercule. Qu'est-ce que... Santé. Donc visiblement, statut, c'est B. Vous souffrez d'une affliction, prenez un remède correspondant pour vous soigner. J'ai des dégâts respiratoires aigus, une mauvaise qualité de l'air en forme... Ok... on peut traiter à partir d'ici ou c'est pas possible? Non. Ok. Inventaire. J'ai du soin, normalement je dois avoir des trucs. Une bière ça remet toujours d'aplomb. Une petite binouse comme ça. Hein? On sait où les machins qui soignent vraiment. Kit pour repas, machin, résistance au poison, rang de points de vie, pack de tofu, pack de vodka c'est mort. Je suis à la soupe miso, j'ai toujours rien, hein. C'est un problème. Ok, bon bah j'ai rien. Dommage. J'irai bien au pied du robot, charger le robot. Ou un pirate. N'importe quel débile. Ouais, genre le robot. Transfert. Mon inventaire. Le divers. Jusqu'à qu'on soit assez léger, et puis voilà. M'embête pas. On va descendre à 159 histoire d'être sûr. Vas-y, envoie tout. Normalement, c'est bon, je suis plus censé être en surpoids là. Voilà, 159, comme ça on est. Voilà! Voilà, on est bon, on est bien. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est. Non, c'est M. Ça, c'est le point que j'ai mis. Me montrez-moi. Voilà. Voyager rapidement jusqu'à destination. Oui. Vas-y. Chauffe Marcel. Ah merde. Bon bah, dommage. J'aurais essayé. Ça ne marche pas comme ça. Zone d'atterrissage. Voyage. Hop. Zalkan, le Tantal et l'Iterbium. Okay. On apprend des trucs. Ou pas. Tac 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 tac. Que puis-je faire pour vous, oh, capitaine? Cockpit. Direct. Direct. Je veux voir si on arrive dans la pièce, si on arrive derrière. Ok. Se lever. Pourquoi j'ai pas de casque? C'est quoi ces conneries? Quoi? À quel moment Ah, j'ai donné ma combi à l'autre clocharde? Ouais, merci, ouais. Ah, c'est pour ça que je tombais malade. Je suis pas allé sur Mars depuis un bout de temps. Le système sol. Je ne porte que les trucs chers. Non, je rigole. Ah, je suis un peu malade du coup. Vas-y, je prends ça. La combi. Ah oui, je t'ai donné ma combi en plomb. J'ai même pas fait gaffe. Munitions, je lui laisse. Sac.
Je prends. Ressources. Prendre toutes les ressources. Non mais putain, il lui a pris tout son équipement. Vous avez... Putain. Ça c'est chiant. Tu peux lui filer tout, mais par contre, tu peux... En fait, on peut pas tout prendre dans une catégorie et c'est vraiment casse-pied quoi. C'est vraiment genre, juste pique tout quoi. Terminé. C'est quoi ton flingue déjà? C'est quoi ton machin? Solstice. Voilà. Et munitions, c'est du 1 point quelque chose, 1.5, voilà. Voilà, voilà, t'en as pas besoin d'autant là. Tiens, prends-en 35, confirme. Voilà, le reste des munitions c'est pour moi. Hop. Bye bye. Hop, inventaire. Soot, mon inventaire, superbe. Bah vire les merdiers dedans. Hein. C'est nul. C'est normalement mon actuel flingue. Ah. Il est adepte de l'espace. Adepte de l'espace, 30% de dégâts dans l'espace. Et 15% de dégâts en surface des planètes. Sachant que j'ai pas l'intention de me battre dans l'espace avec ce fusil là. Vire-moi ça. Un des chargeurs, bon, c'est de la merde. C'est nul. C'est très beau. Ça vire. Tout ça, ça vire dans le vaisseau. Et donc, un autre modifié, ça vire. Alors, 52 de dégâts. Faudra que je compare les deux. Ciment, le 17, donc ça, c'est celui que je garde. Découpeuse, on garde. La différence, donc, en termes de masse. Est-ce qu'on peut se mettre sur celui... Non. Merde. Arme, rends-moi le... Voilà, le modifié, merci. Combinaison. Celle-là. Voilà. Est-ce qu'on peut équiper ça, par contre? B pour équiper. Excellent. Du coup, arme, j'aimerais... équipe... sur B. Et donc la différence entre celui-là et celui-là... Ah, celui-là est tellement mieux, quoi. Et celui-là, il y a quoi? Recharge... Fury, les coups consécutifs infligent plus de dégâts. Rechargement à la main, munitions volatiles conçues pour être plus dévastatrices mais instables et qui risquent d'avoir des ratés. Bah, ouais, mais tu sais, moi, les trucs pas fiables... Les trucs qui nécessitent de la chance... Honnêtement, ça dégage. Des sacs dans tous les sens. Moi je voulais juste garder mon sac parce qu'il était pas mal. Voilà, ça va finir que tout va dégager. Hein. Voilà, ça m'a saoulé. Casquette à écouteurs utilitaire. Combinaison de vol de service. Non. Combinaison étanche, oui. Jupe de clubbing de néon. Ouais, c'est un clubbeur. Ouais, tenue de danse de néon. Oh, le swag. La tenue flashy Neo City. Ok. Flashy, hein. Fonctionnel. Tenue urbaine. Je perds 5 de thermique. Elles se valent, hein. Les deux sont intéressantes, hein. Elle dégage quand même. Ça fait pas assez la différence, quoi. Objet de lancer. Ah merde. Soot. Moi. Mon inventaire. J'ai trop plein de casques. C'est quoi le meilleur des casques? Celui-là, il est moins bien. Casque spatial à 1, solidité, dégâts au corps à corps subis, moins 15%. Antibalistique. Ah ouais, non mais... Antibalistique, il va être difficile à remplacer, hein. Ça, il est pas remplacé demain, lui. Hein. Du soin. On en a des merdouilles. Hein. On en a des merdouilles. Et on en a qui servent à rien. Ça part. Voilà. Hop.
dans les divers. Bah balance tout ce que tu peux balancer. Je crois qu'il y a 4 items qu'on peut pas dégager. Tout le reste ça vire. Et on va pouvoir retourner là-bas. Alors je sais pas par contre s'il va me poser le vaisseau là-bas une bonne fois pour toutes, j'aimerais bien. Je vais y aller avec le vaisseau, voir si... Enfin, je vais me mettre aux commandes du vaisseau, on va voir si on peut stepper avec le vaisseau. La grande question à 8000 balles. Let's go. De merdier dans tous les sens. Vous prendrez bien du PQ avec votre, votre microscope, c'est vrai. Ça a l'air vraiment nécessaire. Le pire, c'est que là-dedans, il y a des trucs qui ont l'air utiles et en fait, non, ça ne l'est pas, quoi. C'est bon, il y a des trucs qui ont l'air particulièrement inutiles. Et les deux échantillons que, dont je ne peux pas me débarrasser. Ressources. Tu transfères toutes les ressources. Voilà. Et il n'y a plus. Il faut que j'aille maintenant dans le vaisseau. Pour aller récupérer dans les soins. De quoi soigner ma... ma perforation de poumon. Et pour trouver ce qui soigne les trous dans les poumons. Bonne journée quoi. Ah c'est bon j'ai trouvé. Injecteur. Hop. Injecteur. Je peux pas genre juste l'utiliser. Posséder un objet qui peut soigner mon affliction. Oui. Genre juste clic gauche. Merci. Voilà. J'ai la pêche. Il faut encore que je prenne un médoc. Genre pour lui, je suis malade. Faudrait que je prenne un antibiotique. Ouais, ok, je peux pas enlever ça. Ça marche. Je vais déplacer le... Donc on va essayer de déplacer le vaisseau. M. Laboratoire de crit. Structure. C'est pas le labo que je cherche. Ah voilà, c'est ça. Ok. Il y a pas mal de choses hein, sur cette planète. Et c'est là que je me dis, quand j'entendais les rageux qui disaient « Ouais, t'as fait 10 planètes, t'as fait tout le jeu. » Je suis toujours sur la même planète, là. Je sais pas combien d'heures de jeu on est, mais voilà, on est bien, quoi. C'est... Alors évidemment, pour celui qui a juste en faire « pam pam piou 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 » terminé, c'est sûr, de toute façon, le jeu s'adresse pas à lui. Hein. Qu'il aille jouer à Call of Duty, c'est pas pour lui, quoi. Enfin, si, mais ça va vraiment l'amuser. Genre, moi, ce que j'aurais mis comme temps pour explorer cette planète, lui, ça aurait été littéralement tout le jeu. Hein. Voilà. Tout prendre. Voilà. Ah! Par contre, ça a pas déplacé le vaisseau. Je suis bien deg. J'avais mis un point, je pense qu'on va le voir. Il y a des installs partout, quoi. On va aller là parce que c'est vraiment juste à côté. Grosse base de signal là. Ah, cette plante qu'on a toujours pas à 100%. Allons-y. Un herbivore de crit. Ah oui. Allez.
Oh mais putain, les lagasses quoi. Quel enfer. Qu'est-ce que je foutais avec le pompe déjà? Pas mais je l'avais quoi. C'était rigolo. J'aime beaucoup le pompe. Ouais, scanne-moi cette merde. 100%, enfin. Wouh. On est des monstres. Je me place par là. Voilà, c'est bon. Je peux ramasser le tubercule. Il y a un sens pour tout, hein, visiblement. Hop. De l'argent. Ah, du fer, ça faisait longtemps, hein. Quasiment devenu une ressource rare, le fer. J'espère qu'on s'en servira avant que ça pue vraiment trop. Si tu le dis. Oui, on est à 100%. Donc Flore, on en a trouvé seulement 1 sur 3. Ah, de l'argon. Allez. Fer. Ok. On a une petite boîte avec 379 crédits. Et il n'y avait pas plus à demander. Voilà. Alors moi, ça m'a permis de boucler deux espèces, c'est cool. Hein. Il nous reste quoi? Donc deux plantes, une ressource toujours pas trouvée, et dans la faune, il y a une bestiole qu'on a toujours pas scannée à 100%. Ça va être le crabe, je pense. Hein, parce qu'il n'y a pas l'air non plus d'y avoir un milliard de bestioles non plus différentes. Ah, du coup, sauter, c'est la vie. Hein, parce que pendant que vous sautez, vous récupérez un peu d'énergie. Sur des planètes comme ça, très légères. Voilà. On est là-bas. Là-bas. Okay, ouais, c'est du plomb en masse. Okay, un minerai qu'on a toujours pas trouvé, à mon avis. Oh. Ah. Oh, ah. Y a pas besoin de scanner? Non. Juste on récolte. Bah parfait. Parfait, parfait. Donne-moi ça. Hop. Donne-moi ça. Voilà. Ah, du néon. Du néon. Voilà. Ben voilà. Ça c'est fait. On est comment? Ressources 8 sur 8. Impeccable. Ce qui nous manquait, c'était le néon. Camouflage, sac. C'est quoi, c'est ça qui chauffe? Je sais pas. Sac avec un camouflage, ok. On va regarder ce sac, qui a l'air custom. Hop là. Oh, 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 coco, oh, coco, coco. Doucement, coco. C'est bon, je les ai déjà récupérés. Ah oui, bon, on continue à me les marquer, quoi. Tac. Le coffre-boîte. Je viens de le ramasser. Boom pop. Terminé. Je l'ai ramassé ce machin. On est d'accord? Oui, je l'ai ramassé. Ok, donc vu. Maintenant, si on se remet en vue, il y avait ce truc des pots de fret abandonnés. Là-bas, c'est le labo de recherche. Et là-bas, c'est le repère naturel où on a vu un vaisseau se poser. Donc on va se mettre au sommet de cette montagne et on va voir un peu ce qu'il y a à dire. En sachant que, encore une fois, techniquement, j'ai envie de dire, on a vu la moitié de la planète. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux plantes qu'on n'a pas vues.
Et bon bah il y a une bestiole, on sait ce que c'est, mais... Mais ça c'est Sarah Connor. M'en fout de Sarah Connor. Alors par contre c'est très dommage que le vaisseau ne se déplace pas là où par exemple, bah, une fois que c'est visité, on puisse pas se déplacer avec le vaisseau. C'est un peu nul. Ok, du plomb. Tout ça c'est vu. Par contre, faudrait peut-être que j'enlève mon repère. Montre-moi ma position. Supprime. Voilà. Et on sait que depuis ma plateforme, voilà, il y a lui qu'on voit qui est inconnu aussi, qu'on ne voit pas. Il y a quelques trucs. Oui, bah, ferme-la. Voilà. Hop là. Chose d'intéressant à porter. Ouais, plus d'une chose même, hein. Des crabes. Non ? Ah bon, je pensais. De l'argon ! On va aller se prendre ça. Pas le prendre. Bon, je suppose que je suis parti. Allez les gros. Voilà. Alors désolé, brutalisation, espèce animale, blabla, un jeu vidéo, 2 XP. Donc, tout ce que vous voulez, mais l'XP à un moment donné. Hein. Putain, il y a encore des repères partout là. De machin. On trouve des tas de trucs hein, sur ces bestioles. Hein. J'en avais pas abattu une autre là par ici. Rien.
Élément géologique inexploré. Et bah maintenant c'est fait. Ils ont du cuivre sur les bestioles. Repère naturel, structure, repère naturel, tout a été identifié. Tiens, 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 un crabe. Oh. Et un élément. Quoi ton problème? Baisse les yeux. Voilà. Un bon explorateur américain avant tout. Alors. Affleurement érodé. 1 sur 4. Excellent. Oh. C'est toi que j'entends marcher. Non, c'est lui. Waouh. Avez-vous vu ce prédateur? Oh, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu te calmes, tu te calmes. C'est les US ici, hein. Pays libre, pays libre. Monde libre, hein. Tu te calmes. Deux sur quatre. Ok, c'est scanné. Quoi? Quoi? USA fucker, fils de pute! Non mais quel taré celui-là, hein. Du coup ça c'est scanné à 100%. Impeccable. Impeccable, faites voir un peu. 3 sur 3, c'est bon. Flore, je suppose que dans la flore va y avoir le caillou en fait, hein. Tout simplement, hein. El caillou. C'est rien, c'est juste un dégagement de fumée. Donc il va y avoir ce caillou là avec l'effleurement rocheux qui va bien. Voilà, 3 sur 4. Et on va aller scanner lui là-bas. Parce que ça en fait partie. C'est exactement ça. Trop bien environnement. Là, là, là. Ça a l'air un peu toxique. Gisement, océanique profond. Allez, ça c'est fait. Donc, on a ça là-bas à découvrir. Dans la flore, on a... Putain! 1 sur 3, je pensais que ça allait m'en boucler 1. Rien du tout. Je m'ai regardé, elle a fait non. Trouver qu'une seule plante, connard. Je me méprise. À un degré. Bon, bah, let's go, hein. On avoine, hein. Oh, j'en ai looté deux. Ça se coupe par deux, par contre, ça fait plaisir. Bon, une éolienne, on va peut-être pas rush l'éolienne. Peut-être des trucs, hein, ceci dit, à l'éolienne. On va se faire une petite sauvegarde quand même, parce que ça fait un moment. Ok. Il y a des arbustes. Donne-moi ton truc. Voilà. Tiens, tiens, tiens. Raptor de l'avant-garde de l'UC. Oh. C'est les collègues en fait. Cool. Des gisements. Cool, cool, cool. Ah. On décolle tout de suite ou vous avez besoin de temps? Hein? On n'est pas chez moi. Je peux pas piquer ce vaisseau aussi. Hey poulet, salut Captain. Putain, c'est pas vrai. Cette saloperie est encore cassée. Ouais, vous pouvez m'acheter un vaisseau? Sinon dégagez de là. J'ai pas besoin que vous le cassiez. Waouh! Qu'est-ce qui va pas avec le vaisseau? Le problème, c'est que c'est un tas de ferraille. Mais ça irait si c'était pas aussi une vraie saloperie. Si je me plains de sa vitesse, elle s'arrête d'un coup. Ça, ou elle se met à dégringoler vers la planète la plus proche.
On croirait presque qu'elle essaie de me tuer, cette saloperie. Quoi ? Vous êtes riche ? Si oui, j'ai une autre question. Vous êtes célibataire ? Moi, non. Mais je peux le devenir pour le bon prix. T'es un mec hyper sympa. Je vais m'y remettre alors. Ouais, ouais, fais ça. Hein. Il y a du cuivre à bord. Peut-être pas lui piquer ses trucs, hein. Bien que 152 crédits. Moi, j'ai envie de vérifier si on peut lui faire une boîte, hein. La réponse est oui. Bon, il est sympa ton vaisseau, hein. Allez, salut ma gueule, hein. Hop, 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 hop. Ah, je dis salut, en fait, on arrive juste sur les quartiers arrière, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu caches là-dedans? Que t'es une BD, sinon paradigme de la gravité, on piquera aucun livre. Cabine écarlate. Pourtant, hein, c'est pas l'envie qui m'en manque. Hein. Mais bon. Let's go. Visiblement, il veut pas d'aide. Ah, contre traverser les échelles quand on monte, c'est un peu dommage. Tac. Alors. De toute façon, je l'ai déjà loot, hein. Ouais, on l'a déjà loot. On sait pas trop ce que ça est, mais. Mais bon, il y a du merdier. S'il y a du merdier, moi je prends, hein. Les gens ont la politesse de laisser un peu de merdier à disposition, c'est que finalement c'est pour moi. Hein. Ouais, on peut pas faire grand chose. Par contre, il y a une boîte. Ok. C'est cool, hein. Une boîte. Ah, abri de survie. Ok. Cool. Sympa. Sympa le petit abri. Muesli au fruit sec. Un paquet de soupe miso. Ouais, une drôle de forme ton paquet de soupe. Hein. Un paquet de soupe de l'espace. Hein. Si c'est le paquet de soupe du futur. Hein. Ah, Fifi, ouais. Salut. Tac. Trouver une peluche. Je sais pas si c'est bien utile les peluches. Problème de trouver plein de merde dans ce jeu sans avoir les quêtes de collectionneurs. Tu sais pas si tu dois garder les trucs. Dans le doute, nous ne garderons rien. Bon bah, c'est bien. Hein. Encore tout ça là. Ça, on peut pas les récupérer, je sais pas pourquoi. Let's go, on ressort de là. Bon bah moi j'aime bien les petites zones paisibles comme ça où y a pas à faire d'efforts pour se servir quoi. Des herbivores. Oh ils sont vivants en plus. Saigner comme des porcs. C'est hyper intéressant. Voilà. On va aller voir ça tant qu'on y est. Ah, il y a plus quelque chose. Et l'autre bobinasse qui traîne par terre. Non, y a rien. On va revenir à cette structure. Je vais quand même en faire le tour. Même si je pense que j'ai loot le plus intéressant. C'est-à-dire le petit coffre.
Tac, tac, tac. Allons voir donc au pied de ces machines. Toc, 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 toc. Les machines elles-mêmes servent à rien, évidemment. Ça, on l'a vu. On a visité le pied de cette machine. Parce qu'on a looté le coffre qui est là. Il n'y a rien sur cette plateforme. C'est le petit tour pour être sûr que c'est bon. Hein. Hop, un petit ventilo qui traîne ici. Du premier soin. D'accord. Il y a quelque chose à faire avec ces ordinateurs? Rien du tout. Tout a l'air de formidablement bien tourner. Il y a un chapeau de ferme qui traînait par là. Dans une boîte. Petit chapeau de fermier. Putain, on a volé le chapeau de fermier du gars, quoi. C'est vraiment... Les mecs ont tout volé, quoi. Aligneur, polymère... et une bonne grosse balle. Je pense que ça pompe l'eau qui est en dessous, hein, mais... là, cette grosse vanne, tout ça, on peut rien en faire. Hein, c'est pas... Y a rien à en tirer. Voilà. Je sais pas si quand on installe une colonie ou quelque chose comme ça... je sais pas où je vais là. Gisement océanique profond, je l'ai fait. Repère naturel. On va au repère naturel suivant. Hein. Repère naturel, c'est ça. La bestiole que j'ai butée. Allez, on va au repère naturel suivant. Je sais pas si quand on pose une colonie, il faut réactiver tous ces trucs là ou pas, mais... ça serait rigolo. Tiens, 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 très intéressant. Alors, le dénivelé, il a l'air un peu sec. Hein. On va faire comme d'hab, on va faire une petite sauvegarde. Je suis fait une entorse. Super. J'ai rien pour soigner sur moi. C'est bien, je teste les différents types de blessures, ça fait plaisir. Un antimicrobien, formidable. Ah, faudrait que je regarde si du coup j'ai pas de quoi me suturer le pied. Un cœur plus. Oh, y a de l'huile qui traîne comme ça. Ajouter une fibre. Je crois que c'est par là. Ah non, c'est même plus par là encore. Bah allons-y. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être le truc qu'on voit d'ici. Hop. Ce que j'ai compris, il faut que je récolte masse truc aussi pour améliorer mon agriculture là. Fibre racine. Et si on veut le fruit, faut farmer à première vue. Faut avoir le fruit avec pour glaner quelque chose. Ouais, c'est ça. Une racine. C'est déjà scanné? Ici, salope. Donc, t'enfuis un peu loin. Hein. Un cadavre n'a plus besoin de rien dans notre monde. Je suis bien d'accord.
Attends, ça m'étonne parce que du coup, ce repère naturel ne sert à rien. Genre, y a rien à scanner ici. J'ai déjà pris. Ok, donc super, j'ai vu un repère naturel, mais encore. Herbivore de Crit. Rien à voir ici. Hein. Créature insignifiante. Créature insignifiante. Mais qui nous nourrit quand même. Juste une racine. C'était quoi l'intérêt gisement océanique profond? Quoi? Oh, tranquille. C'est quoi? C'est vu? C'est exploré? C'est exploré! Bon. Je sais, c'est inutile sur 20, mais... Ah, sans moi de là. Et du coup, l'autre est là-bas. Bon, ça nous permet de buter des bestioles, mais j'aimerais bien croiser la nouvelle bestiole, surtout. Enfin, les nouvelles... non, faune, je les ai toutes. La nouvelle flore, au moins. Il n'y a pas de flore, hein, pour l'instant. La biodiversité, c'est pas ça. Hein. Regarder dans mes soins si j'avais quelque chose contre les fractures. Normalement ça va être là. Encore ce machin là avec ces arches rocheuses. Qui compte pour rien, qui compte pas du coup même dans la pronostic améliorée en torse. Ah. C'est long. Gisement océanique profond. Quoi qui me cause l'autre con? Tas d'excréments. Tiens. Nouvelle bestiole. Trouver un gros tas de merde. Qu'est-ce que j'ai trouvé là-dedans? Ça, c'est du néon. On va le prendre. Racine. Ok. Néon, de l'argon. Un gisement de quoi? Il n'y a même pas de gisement. C'est le gisement d'un truc que je connais pas. C'est un nick profond. J'ai l'air de grouiller de vie là-dedans, mais j'ai pas l'air de pouvoir en faire grand-chose. C'est un sacré quête. Déjà, je peux pas leur mettre des balles. Donc automatiquement, c'est bizarre. Botaniste du Tams. Tiens. Du chlore. Dit chrome. Moi je veux bien les gars, mais c'est pas très passionnant votre histoire. Ah, repère naturel, encore un. Sarah Morgan. Non, ils ont buté Sarah Morgan. Œuf étrange. On va prendre. De tracker.
que j'ai. Ok, ils ont piqué un œuf de tracker. Résultat, ils se sont fait défoncer la gueule. Et bah, on a looté un œuf de tracker. Pochette. Je sais pas ce que je m'en fous, mais. Faut que je trouve un collectionneur, quoi. Parce que moi, je suis pas assez débile pour me balader avec un ciseau ambulant. En guise de pote. Se balader avec un super mutant est plus sage. Parce qu'un super mutant, moi, ça fait semblant de réfléchir. Ce qui est déjà beaucoup. Mon entorse, est-ce que j'ai de quoi réduire mon entorse? Ça serait pas mal. Est-ce que j'ai besoin de réduire mon entorse? Je ne sais pas. J'ai gagné une contusion à la place. Je pense que ça doit être mieux, hein. Des herbivores. Et je crois un chasseur de crit là. Et des criteux. On va les descendre, hein, c'est de l'XP. Hein. On en a besoin, on passe pas de niveau ici, c'est la misère. Ils sont où là? Ils sont là. Bonjour. C'est réglé. On n'en parle plus. Voilà. Et de 2. Et de 3. L'autre que j'ai buté, il est là-bas? Oh, le survivant! Je gage des munitions par contre contre eux, hein, ça c'est sûr. Sale bête de crit. Tracker de crit. Je crois que t'impressionnes qui là? L'autre est. Il avait cru surprendre quelqu'un. Ah, c'est votre petit déjeuner? Vous m'excuserez, je me sers dans votre buffet, bande de bâtards. Allez. C'est quand même de la sale vermine, hein. Ça se balade sous terre, ça sort, ça t'élimine toute une tribu qui dort tranquillement à l'abri de son rocher. Et hop, ils ont leur garde-manger. Du truc, on peut le faire, on va y arriver. On n'est pas arrivé mais on peut le faire. Crevasse comment? Crevasse genre bonne ou mauvaise idée? Je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise idée. Va falloir y arriver, hein. Hop là, va falloir la prendre pour remonter. Ah, il faut sauter pour économiser. Pas qu'on peut pas accéder à ta montagne de con, hein. Parce que sinon je vais péter un boulard. Hein. Hop là. Ah là 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 là. Hop hop hop, on glisse. Il va falloir faire tout le tour. Let's go. Oui oui, on souffle, c'est compliqué, ça fatigue la vie. C'est épuisant, etc., etc., quoi. Herbivore de crit.
C'est vous qui me mettez une pression comme ça? Laisse les yeux. Comment t'as ramené ta gueule? Pour rien? Le mec il arrive, il s'est dit tiens, buffet à volonté. Surprise. Le gros crabe moche. Il est moche comme crabe. Et donc mon repère il est... Ah, il y a encore un tracker par là. Mon repère il est là-haut, à 136 mètres. Hop. Debout. Allez, te fais réveiller par un petit chargeur de plomb comme ça. Pas habitué hein, bestiole hein. Bestiole de mort. Voilà. Excellent, il n'y a qu'à tout looter. Est-ce que ce serait pas temps d'économiser les munitions de cette arme en partant sur... Ouais, ça. Il est mort. Intéressant. C'est la température qui t'a tué? Ouais, il allait faire un peu chaud par ici. Ah, ça a tout tué. Tas d'excréments. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans l'histoire. Il y a une étrangeté étrange au niveau de ce volcan. Est-ce que par hasard il y a une merde qui vit là-dedans? C'est parce que les bestioles ont trop froid et qu'elles s'en approchent. Qu'elles sont débiles ou je sais pas, un électromagnétisme à la con. Il y a beaucoup de squelettes de bestioles, hein. Ouais, ouais, il a l'air de faire ultra chaud ici, ouais. Il y a rien du tout ici, hein. Un argent, c'est tout, hein. C'est juste un cratère de volcan. Inconnu. Une structure. Une grotte. Et le frontière. Et ben allons-y. Comme chemin direct détecté. Ok. Il y a un fruit. Oh, il n'y a pas de fruit. On va arrêter de sauter, hein. On va encore se péter une guibole. Belle structure là, bien remplie de pirates. On va encore finir chargé en gobelet. Pronostic amélioré, contusion. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. J'ai toujours pas checké mes soins. On va faire ça. Soins. Hauteur de saut 35%, supprime les symptômes de dépendance pendant 10 minutes. Non. Ouais. Non. Bon, y a rien là-dedans qui m'intéresse, hein, les gars. Y a un petit poulet là. C'est pas ça qui va faire la différence. Hein. Bon. Faudrait qu'on retourne aux frontières pour ça. C'est une montagne de plomb, quoi.
Les énormes cailloux de ressources, quoi. Oui, on va faire le crochet, hein. Je sais pas, on a combien de cette ressource-là, mais... on n'en a pas non plus des montagnes, quoi. Après, il va falloir à un moment donné faire la grotte si on veut avoir toute la faune et toute la flore. J'ai bugué le jeu. Ah, c'est le jeu qui est en train de charger là. Oula oula. Ou qui est en train de planter. Au choix. Au choix, au choix. Ah, il est en train de charger la structure. On va arrêter de courir. On va laisser charger sa structure tranquillement. Ouh. Ça en fait des choses, hein. Moi je propose de visiter cette structure dans un prochain épisode, parce que ça fait déjà de beaux épisodes, hein, on va pas se mentir. Ça fait des épisodes de quelle taille ça, juste pour se marrer? Allez, 2h30. Oh, on a un point de compétence, attendez, on finit sur une montée de niveau. Méthodologie, donc ça c'est verrouillé. Analyse... Ajoute un niveau de zoom optionnel au scanner portable et augmente la distance de scan de 20 mètres. Comment ça, un zoom optionnel? Ah oui, oui, on peut zoomer au choix. Déverrouille les ressources nécessaires à la fabrication d'objets et de projets de recherche sont réduites et aux projets de recherche sont réduits de 10%. Bah, ok. Ouais, vous récoltez davantage de ressources non organiques communes et peu communes à partir des objets de surface. Ok, je me prends des meilleurs loot, ok. Portée des astroportations améliorées de 15%. Tout est intéressant, mais... Moi, ce qui m'intéressait, c'est la persuasion. Ouvrir 75 conteneurs, c'est pas encore fait. Trouver des munitions supplémentaires dans les contenants. C'est pas encore obtenu. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le crochetage. Gastronomie, créer 5 produits alimentaires, c'est pas encore le cas. C'était où? Le crochetage. C'est là. Il faut crocheter 5 serrures. Et dire que j'en ai crocheté tellement, j'aimerais bien... voilà. J'aimerais bien performer là-dedans. Donc on va garder... on va garder le point de compétence pour une autre fois. Parce que ça m'intéresse pas de le gaspiller. Je mets des guillemets à gaspiller, hein. Mais de l'investir dans un truc qui m'est pas forcément utile. Tour de recherche abandonné, c'est pour le prochain épisode. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming, et je vous dis à la prochaine. Ciao.